Et bonjour, je suis Paula Radcliffe et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ces 15 minutes avec Paula. De sport que vous pouvez faire depuis chez vous avec votre famille ou vos amis. Le plus important, c'est de bien tirer les bienfaits du sport et de progresser un tout petit peu chaque semaine. Et là, aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Kevin Covetto, gymnaste de Monaco, qui bonjour, a été au JO de Rio. Bonjour, Kevin. Kevin, il va s'échauffer un peu pendant qu'on discute, mais tu vas nous montrer quelques exercices polo. C'est ça, exactement. Donc, je vais vous montrer des exercices plutôt du haut du corps. Donc, c'est pour ça que je suis en train de m'échauffer. Et comme ça, on sera prêt après pour enchaîner avec les exercices. Voilà, les exercices pas trop difficiles, mais qui vont aider à gagner un peu de fitness, un peu de forme, et que vous pouvez aussi enchaîner. Donc là, ça va être 15 minutes. Si vous enchaînez deux ou trois séries, ça fera une séance d'une demi-heure, de trois quarts d'heure, même une heure. Allez, on va s'échanger et on s'attaque aux exercices. C'est parti. On se met sur un tapis, comme ça, et je vais commencer avec... Là, je vais faire 20 secondes devant, mais vous pouvez augmenter pour faire jusqu'à 1 minute 30, ou même voir entre la famille qui peut tenir ça le plus longtemps. Donc là, vous voyez bien, Paula, elle est bien droite, elle a les pieds, le dos et les épaules qui sont alignés. Après, je vais tourner. Là, pareil, elle pousse bien dans le bras, elle enfonce le sol avec son épaule. Elle reste bien droite. Puis, on retourne au milieu. Et c'est là aussi qu'on peut lever une jambe pour la faire un peu plus difficile. Voilà. N'hésitez pas à faire des variations d'exercice. Et puis, de l'autre côté. Donc là, toujours pareil. Bien pousser dans le sol avec son bras. Et ensuite, on fait la variation. On soulève la jambe, ça va compliquer un petit peu l'exercice. Puis, je retourne et on peut continuer et faire plusieurs séries. Comme ça. Et là, je vais prendre une récupération pendant que Kevin il travaille. Nous, on va passer sur un exercice donc plutôt de bras, parce qu'en gymnastique, on est souvent sur les bras, donc on va venir poser une bouteille d'eau comme ça. On va se mettre en fermeture, pieds et mains au sol, et on va avancer comme ça. On va toucher la main droite, la main gauche sur la bouteille, et on va reculer. Et on va faire cet exercice 10 fois. Donc là, il travaille tout au long du corps. Il faut qu'il soit souple, voilà. Mais que tous les muscles soient activés en même temps. C'est ça. Si c'est trop facile, on peut éloigner la bouteille d'eau. Ça va compliquer un petit peu l'exercice. Donc voilà, on continue notre série de 10. Et l'important, c'est que lorsqu'on est en position de planche, les épaules, le dos et les jambes sont alignés. Donc on n'est ni fermé comme ça, ni le ventre qui tombe comme ça. On est bien droit, on pousse fort dans ses épaules et on marche comme ça. Voilà. Et on le fait 10 fois. Je vais continuer à travailler un peu les jambes parce que pour moi, les jambes sont les muscles les plus importants. Là, c'est pour les fessiers. Et on active et on fait des petits cercles. Et on le tient aussi pendant 10 voire 20 peut-être cercles. Vous pouvez augmenter avec le temps. Mais comme il y en a plusieurs muscles dans les fessiers, il faut changer un peu le sens et direction. Donc là, si on met en avant, on active un autre muscle. Et on continue à faire les cercles. Et puis derrière, ça active, ça change encore. Voilà, donc là, on voit que Paula, elle s'équilibre avec sa jambe et son bras pour être bien sur le côté. Il ne faut pas être ni trop sur le ventre, ni trop sur le dos. On essaie de bien rester sur son flanc et on continue l'exercice.
aussi. N'oublie pas de faire l'autre jambe aussi. Et c'est normal d'avoir une jambe qui est peut-être un peu plus forte que l'autre. Exercice suivant, on va venir faire les fixateurs d'omoplates. Donc c'est pour avoir une belle posture, c'est-à-dire les épaules comme ça, et non courbées comme ça, comme on peut voir souvent. Donc on va faire la position du T, comme ça. Et pendant une minute, on va faire 30 secondes de cercle vers l'avant et 30 secondes de cercle vers l'arrière. Voilà, si l'exercice est trop simple, on prend une bouteille d'eau dans chaque main, quelque chose que tout le monde a à la maison, et on continue l'exercice. Pendant une minute, 30 secondes vers l'avant et 30 secondes vers l'arrière. Et ça, c'est très important parce que si on renforce la musculature de la poitrine, on va ouvrir et agrandir un peu les poumons, ce qui veut dire qu'on va pouvoir respirer beaucoup plus fort et continuer l'exercice un peu plus longtemps. Voilà. Ça va brûler vraiment très fort les 10 dernières secondes au niveau des épaules, mais on essaie de tenir au maximum et on s'arrête. Ok, là on va encore travailler les jambes, mais on va mettre une élastique, quelque chose qui le rend un peu plus, qui fait le travail un peu plus difficile pour les muscles. Donc on se met sur le côté encore et d'abord c'est comme ça, en gardant les pieds l'un contre l'autre et en écartant, en utilisant tout le muscle de la bande iliotibiale et derrière aussi et les abdominaux. Voilà, et comme on peut voir, Paula, elle contrôle son mouvement, elle va doucement à la montée et surtout doucement au retour. C'est très important de vraiment contrôler son mouvement et pas de laisser retomber la jambe. Voilà, on essaie de toujours bien contrôler. Et là, on peut faire la même chose, mais en levant le pied aussi. Et on contrôle la montée et la descente. On ne laisse pas tomber sa jambe. Vraiment, on contrôle. Si tu n'as pas d'élastique, tu peux aussi prendre un autre... une autre personne qui met de la pression là pour résister un peu. Et même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, on voit que Paula, elle a une belle amplitude parce qu'elle a l'habitude. Mais si c'est trop dur, faites des plus petits mouvements à la maison. C'est pas grave. Le tout, c'est de quand même essayer de faire de l'exercice. On va reprendre une bouteille d'eau et on va faire des exercices un peu d'équilibre. Donc c'est important en gymnastique l'équilibre. Donc on va se mettre sur un pied, on va commencer par le pied gauche. Et avec une bouteille d'eau, on va faire 5 tours dans un sens, comme ça. Et 5 tours dans l'autre. Alors on plie un tout petit peu sa jambe qui est au sol pour avoir un meilleur équilibre. Voilà, et une fois qu'on a fait 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre, on change de pied et on refait la même chose. C'est complètement normal qu'on a un pied, une jambe qui est plus fort, qui a plus de proprioception que l'autre. Mais c'est très important parce qu'on travaille tous les muscles tout au long. Et dans le pied même, il y en a 26 os et beaucoup, beaucoup de muscles. Donc il faut bien travailler tous. C'est ça. Et si c'est trop simple, on peut encore complexifier l'exercice en fermant les yeux. Et là, ça va devenir beaucoup plus dur. Voilà. Il faut vraiment penser à activer tous les muscles dans les orteils, partout. C'est ça. Donc, on fait attention à la maison à ne pas être à côté d'objets trop fragiles. Ouais. Même des personnes. Et voilà. On fait tous les deux le même exercice un peu varié. C'est ça. Selon notre sport, donc toi tu commences pour les triceps un peu comme ça. C'est ça, même si on n'a pas le même sport, on a des exercices quand même en commun avec Paula. Donc à la maison, prenez une chaise, mettez-vous sur le lit ou sur le canapé, sur le rebord comme ça. On va venir avancer un petit peu et faire des pompes, comme ça. Donc on va venir solliciter les triceps. Donc on essaie de ne pas descendre trop bas pour ne pas se faire trop mal à l'épaule. Si ça tire trop, on va moins bas, c'est pas grave, et on continue. Si vous voulez
activer une jambe devant, ça rend encore plus difficile. Et ça fait aussi travailler un peu le quadriceps. Voilà, donc on essaie d'en faire 10. Et en fonction de votre niveau, vous choisissez votre variation. Voilà, Paula, elle ouvre un petit peu la jambe pour travailler encore d'autres muscles. Pour activer le muscle, juste le vastus medialis là dans le quadriceps pour soutenir le genou. Et n'oubliez pas de tirer bien les orteils vers vous. Donc n'hésitez pas chez vous à adapter votre séance en fonction de votre niveau. Je vous dis, le tout, c'est pas de faire les exercices les plus compliqués, mais de bouger tout simplement. Et de sentir que chaque muscle travaille, que ça brûle un peu à la fin. Exercice suivant, on va venir se remettre en planche, comme ça, main à plat au sol. Donc si ça vous fait mal au poignet, ouvrez un tout petit peu les mains comme ça. Après, si ça vous fait pas mal, vous pouvez vous mettre comme ça. Et on va venir toucher 20 fois l'épaule gauche et l'épaule droite, comme ça. Donc toujours une belle planche, dans une position le plus plat possible. Et on essaye de ne pas faire de variation de corps. Et ce que Kevin fait, il fait naturellement, mais il active tous les muscles avant de lever la main. Voilà, on essaye de ne pas non plus trop se tourner, on essaye de rester vraiment bien, le plus droit possible. Si vous voulez, vous pouvez essayer avec une assiette, bac à sable, sur le dos, pour voir qu'il balance bien. Voilà, Paula, elle peut me poser une bouteille d'eau sur le dos et voir si je la fais tomber ou pas, si je le fais bien. Là, il fait très bien. Ok. On l'appelle Superman, parce que ouais, dans la course à pied, c'est vrai qu'on use une alternance de bras et de jambes. Donc c'est une jambe d'un côté et le bras de l'autre. Et on essaie de garder le corps stable, comme dans le dernier exercice aussi. C'est important d'activer tous les muscles dans les jambes, dans les bras, et dans les abdominaux aussi. N'oubliez pas que dans un marathon, c'est là qu'on va stocker les glucides dans les muscles. Donc oui, il faut être légère, mais il faut aussi avoir des muscles pour y stocker les glucides pour s'en servir dans les derniers kilomètres. Donc toujours pareil, vous voyez, elle a le dos bien droit et quand elle bouge, le dos il reste à plat. On pourrait venir poser quelque chose sur son dos et ça ne bougerait pas. Elle contrôle vraiment sa position et ses mouvements. Pour finir cette session de sport aujourd'hui, on va vous proposer un petit challenge à la maison. Donc pendant 30 secondes, on va faire des mountain climbers. Et on va faire compter par un membre de la famille combien on en fait. Donc mountain climber, c'est on va venir poser le genou sur la poitrine comme ça pendant 30 secondes. Et on va essayer d'aller le plus vite possible. Comme ça. Il faut bien faire attention de ne pas monter le genou jusqu'au nez, parce que ça fait mal. Pour ne pas se mettre un coup, exactement. Et donc chez vous, comptez en 30 secondes combien vous en faites. Et comme ça, vous verrez qui en fait le plus dans la famille. Et après, c'est très important de faire un peu de stretching après. Donc pour pas qu'on ait mal. Donc là, on n'est pas dans l'exercice, on est dans la récupération pour le lendemain. Tout à fait. Donc on va étirer les mollets. Donc là, il faut bien sentir les étirements des muscles que vous cherchez à étirer. Et ça remonte aussi tout au long. C'est ça, on essaie de faire au minimum 30 secondes par étirement. Et puis, allonger aussi en poussant le talon bien vers le sol et en sentant que ça s'étire tout au long de la jambe. C'est ça. Voilà, donc les exercices d'étirement, vous les faites au minimum pendant 30 secondes. Nous, on va un petit peu plus vite, juste pour vous en montrer quelques-uns, mais faites-les au moins pendant 30 secondes. Et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, pour étirer les bras. Et ensuite, on va étirer les bras parce qu'on les a pas mal travaillés. Donc, on va attraper son coude, passer derrière la tête comme ça et venir étirer le grand dorsal. Pareil, pendant 30 secondes. Il ne faut pas que ça fasse trop mal, mais il faut sentir quand même l'étirement. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, comme ça,
pendant 30 secondes, pareil, au minimum. Pensez bien aussi à bien boire, parce que l'eau, c'est très important à la récupération aussi. Et voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ces 15 minutes avec Paula. Le plus important, c'est de faire ce sport interactif depuis chez vous, avec votre famille, et de progresser chaque semaine. N'oubliez pas de partager ce qui vous a plu avec nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour une autre séance de sport ensemble. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.